Alors, une dizaine d'années de cours au conservatoire de chant classique, plusieurs groupes, dont le groupe de métal symphonique Elferia pendant plusieurs années. Ensuite, rapidement, j'ai basculé pour le projet solo, entre guillemets, et en partenariat avec Vincent, donc sous mon nom, Clairlys Fender. Disons qu'évidemment, il y a toute une base quand même classique derrière où il y a eu des apprentissages et ça a fait, on va dire, des prérequis. Mais ce qui m'a guidée aujourd'hui vers ces compositions-là, c'est la création de mon tambour chamanique qui fait que je suis arrivée à un stade vers, je sais pas, 2017. Je savais plus trop si j'allais composer. Et puis, celle qui m'a proposé ce stage, enfin, qui m'a accompagnée dans ce stage de fabrication de mon tambour, m'a dit, écoute, Clairlys, tu verras si tu peux chanter avec ton tambour. Et donc, les compositions, je les ai, on pourrait dire, canalisées au fur et à mesure, en étant à l'extérieur vers la nature, en chantant avec mon tambour, en enregistrant sur le téléphone. Et après coup, j'ai repris chaque chose, ce qui me parlait, peaufiné, et puis jusqu'à l'enregistrement avec Vincent. Alors, les chansons de l'album We Are One, Nous sommes un, parlent de cette conscience unitaire, mais aussi de la connexion avec le vivant, avec la nature, avec les autres. Ouais, vraiment, cette connexion avec les éléments, avec soi, avec notre soi divin. Je sais pas comment résumer. C'est trop vaste en fait pour résumer, c'est vraiment un univers assez complet. Il y a même des morceaux qui sont sur de plus de l'introspection, il y a des morceaux qui sont plus personnels, d'autres plus universels. Mais ça nous place en tant qu'individu sur cette terre, en tant qu'être de changement, qu'on peut initier le changement d'aujourd'hui et de demain, mais qu'on peut aussi se relier à cette nature, à ce vivant, au monde qui nous entoure, qu'il soit perceptible ou plus subtil. Et puis ça nous relie de cœur à cœur et d'âme à âme, avec aussi des chants qui sont en langage de l'âme. Mais on est déjà des êtres divins? Excellent. Une divinité. Pouf. C'est vraiment C'est particulier. difficile, je dois réfléchir à une divinité. Toi, ce serait quoi? Je sais pas. Il y a trop de choix. J'ai de la peine à m'identifier ou me référer à une divinité, mais plus d'aller se relier à notre propre potentiel divin et finalement à ce qu'on pourrait appeler la source de toute création et du coup de vraiment soit se relier à notre potentiel divin, à notre conscience supérieure.